6h30 du matin, les rues du quartier de Kadıköy, sur la rive asiatique, sont calmes. Istanbul s'éveille. Comme tous les matins, depuis 20 ans, Ismail nettoie son stand de simit. Il est d'ailleurs l'un des seuls de la rue à pratiquer ce rituel. Direction ensuite la boulangerie, où il se fournit en petits pains ronds pour toute la journée. Le choix est toujours méticuleux. À 7h pétante, Ismail embarque la marchandise. L'installation peut alors commencer. L'occasion pour lui de revenir sur son activité. C'est un véritable business. Seulement 5 minutes après l'ouverture du stand, les premiers clients apparaissent. La journée commence et elle sera longue. Ismail remballera seulement vers 6h30. Le simit, c'est ça, ce petit pain rond au grain. Il est fabriqué dans de multiples endroits, comme ici, toujours à Kadıköy. Il faut compter 15 minutes de préparation pour une fournée. Ces chiffres nous paraissent bien bas compte tenu de la popularité du pain. L'année dernière, le business a été pointé du doigt par les municipalités. La régulation du travail était mise en cause. Le quartier de Karaköy, haut lieu touristique, était visé par l'interdiction. Pourtant, les stands y sont encore présents. Explication. Sokak simitçiliği, özellikle sabit simitçiler, Osmanlı'dan gelen bir kültür. Zabıtanın seyyarlar yaptığı yönelik operasyon, işi cıvıklaştıranlar, izin haricinde çıkanlar ve bunun çoğalması artmasından dolayı yapıldı. Bu esnada ucu bize de dokundu. Sonradan düzeltildi. Selon ce boulanger de Karaköy, la concurrence n'est pourtant pas un problème. Yok. Yok, rakiple alakası yok yani. Herkes ekmek parasına. Tout laisse à penser que le petit pain au sésame a encore de longs jours devant lui.